Et bonjour. Alors du coup, on va redimensionner un peu la cuisine, parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais caché pendant longtemps la référence de l'humain, et les amis m'ont fait remarquer que finalement c'était beaucoup trop grand. Et c'est vrai qu'en regardant la photo, c'est beaucoup trop grand. Donc ce qu'on va prendre, c'est toute la cuisine. Je vais voir si déjà rien qu'en la révisant, est-ce que ça va matcher quand même. Le robinet fait à peu près la taille du buste. Ouais, non, ça irait pas parce que du coup ce sera trop bas. Du coup, on va refaire ça. La hauteur de la table, hein, c'est bon. Ça arrive à peu près en haut de la hanche. Ouais, c'est peut-être encore un peu haut. Ouais, c'est un tout petit peu en bas du haut de la hanche. On va baisser ça. Hop, voilà là. Encore un petit peu. Comme ça. Là, on aura une taille un peu plus correcte déjà. Ensuite. Coup, il y a tout le robinet, les planches et tout ça là qu'on va devoir rebaisser parce qu'ils seront plus à la bonne taille. Alors, non, c'est pas dans le placard, c'est le plan de travail. Partie gauche, là-dedans. Ensuite, espace évier. Alors, l'évier par rapport à elle, ça pour le coup, ça me l'air correct. Le robinet est trop haut. Trop haut, mais après niveau largeur, tout ça c'est bon. Un peu de musique en même temps. J'arrive à faire plus court durée puisque c'est un appel CPF, donc non merci. Alors on revient à la taille. Tout petit peu plus bas que ça. Voilà, là on est à la bonne taille. J'ai l'impression qu'il est un peu grand aussi.
Et la moitié de ça. Ok. La planche, du coup, elle est aussi plus petite. Voilà. Et donc, logiquement, l'autre planche aussi. Et on va la remplacer. Hop. C'est bien contre le mur. Pardon. D'ailleurs, on va regarder. On a baissé de combien ? 0,75. C'est la même taille, ça va aller. Sur une autre photo, on va faire un comparatif. Bon, c'est un peu plus grand quand même. Voilà. Ouais, du coup, alors ça c'est. Le lavabo qui est petit. Alors, ça me fait tout remettre en question. Bref. Non, ça pour la taille du lavabo, ça a l'air bon. Peut-être un tout petit peu plus petit. Ça reste à la bonne hauteur, donc on le mettra après ici. On va remettre le dôme pour voir après un comparatif. C'est... un peu petit là quand même. Non. Ouais, il est trop petit là. Là je pense que t'as dit la voûte, pas de raison en vrai. Ouais.
Ouais. Côté la planche qui est plus longue. On fait une vue arrière pour reconstater. C'est quand même les détails, on voit plus vite les détails. C'est vrai que là ça a l'air plus correct quand même. La TR paraît toujours grande du coup là maintenant que je regarde. Carrément grande même. Oui, de TR là. Alors. Ronde. Et le tailleur qui est. C'est d'argent. C'est la terre d'argent, on va le remettre. Son pivot. Voilà, presque. Deux fois celle-là. Sans compter le machin. Ouais, faut le baisser un peu, mais pas des masses non plus. Un petit peu. Oui, plutôt collé. Okay.
tuyauté est bonne. Ah, ce qu'elle a quand même plus à l'échelle là. Il y a juste cette anse, peut-être qu'il faut que je change. Là, on est beaucoup plus juste. C'est beaucoup mieux. Ok. Si c'est lui, là, son petit machin du dessus, là, il est plus grand. Tant qu'on y est. Mince, j'ai fait quoi là? Petit du coup un petit peu le, mais en fait non, ça va être ça, parce que si je prends la main de elle je vais la dupliquer. Bon, le lavabo c'est fait comment? Tac. Un peu fin, mais... Pourquoi il faudrait que je grandisse un tout petit peu? Mais juste cette part là d'ailleurs, on va dire. Celle-là.
Ça va pas être trop mal, en vrai. C'est bon, même. Un comparatif. Shampoing aussi pareil, on va, tant qu'on y est on va tout refaire hein. Bonne taille. Shampoing tout ça, bon ça a l'air quand même d'être un peu plus petit du coup. Enfin c'est simple parce que je m'étais mis à l'échelle par rapport à la planche. Donc tout ce qui va être à l'espèce friteuse, normalement c'est plus fin aussi. Excepté la friteuse peut-être, qui sera bonne. Je veux dire qu'elle est peut-être un peu petite. On va se remettre sur la photo. La lampe est quand même vachement grande. Car si je regarde par rapport à la dame sur la photo, hop. Dire qu'il y a vraiment un grand espace entre les deux. Si je retourne sur la photo autour de la friteuse, il n'y a pas tant d'espace que ça. Ils sont peut-être un peu plus grands que ça quand même. La lampe aussi. Ça et eux deux. Ah, ils ont vraiment cette taille. Lui à peu près. Vachement petit du coup. Du coup, c'est-à-dire que c'est E2 qui devrait être agrandi. Voilà. Regardez encore pour pas photo. Ouais, c'est pas mal.
C'est vrai que moi, il me perturbe. Oui, il est quand même vachement plus grand. Voilà. Voilà, là c'est bien. Un peu plus bas, plus à hauteur de main, c'est plus logique. Ensuite, il y avait la hauteur de plafond aussi du coup qui est un peu basse. Donc je rentre presque deux fois la lame, mais pas complètement. Trois. Ouais, donc on va baisser un petit peu le plafond. Je pense qu'en hauteur d'à peu près ça. Ouais, c'est pas trop mal. C'est toujours haut hein, mais le plafond était haut en vrai, donc du coup... J'ai quand même envie de faire un test. D'abord... Alors moi c'est l'inverse que je veux. Bon ça pour un à peu près hein. Ok. Ce que vous voulez. Je vais mettre dans le masque. Tant pis, on va faire comme ça. Ah oui, en fait c'est beaucoup plus bas. Ouais. Parce que là si je coupe, ça revient à peu près ici. Ok, d'accord. Bon, on va carrément baisser du coup. Hein. Prendre notre bonhomme. J'aurais pensé que ce serait plus haut. Tac. Là. Là, pendant, il me paraît super bas du coup. Par rapport à la photo, désolé, mais c'est pas la bonne taille. Hein. Ça peut pas être ça.
trop bas. Et même par rapport à la poutre principale, là, si je reprends. Attends. Si je reprends cette taille, je la mets au niveau de la poutre. Dans la vraie vie, je me rappelle que c'était comme plus haut. Hein. Alors, du coup, c'est peut-être pas aussi haut qu'avant. Mais il y a au moins. Parce qu'il y a des trucs qui pendouillent quand même. Je me souviens qu'il y avait au moins ça d'auteur. Hein. Apparemment, du coup, c'est, bah, c'est le même auteur. Hein. Ah putain. Bon, les murs, allez hop. Parce que là, il y a quand même plein de petites merdes qui pendouillent. Bon, c'est encore haut dans pas pour ma tête, et encore je suis grand moi. Donc du coup, moi, ça m'arrive à peu près ouais, là, là. Je passe en dessous, tranquille. Même plus, hein, je suis vers là. Donc là, sachant qu'il y a ça qui pendouille jusqu'environ là. Mettre là, bon, on va dire c'est à peu près du pendouille, on va dire jusque à l'arête rouge là. Là ça me paraît c'est peut-être la poutre qui est un peu grande à la limite, même pas hein, parce que... ah alors déjà la poutre elle est pas là où il faut, donc effectivement ça va changer des choses. Bah du coup on remonte encore plus. Non en fait je crois que c'était vraiment la bonne taille hein. On dit que c'est trop haut mais finalement remet comme il était avant. Je pense que ça me paraît pas ça. Hein. On a l'impression que c'est aussi celle-là, là. Si je mets... Parce qu'il y a un modèle... On voit comme ça, ça paraît déconnant. J'aurais voulu que ce soit un peu en gris. Enfin, si je mets en mode... flat, tac, comme ça. On va pas la ligne, mais bon, c'est pas grave. Et il nous dit qu'elle s'est pas là. C'est que ça paraît grand, mais en même temps, c'est ça. Hein. C'est encore avec la perspective, ça fait. Pas exactement ça. Bon, ça pourrait aller un peu, pas pour la comprendre la photo. C'est que du coup c'est pas plus bas, mais en même temps, c'est pas bizarre par rapport à la photo, après je trouve que c'est trop bas.
toi, c'est peut-être un peu grande. La poutre était grosse quand même. Je pense que la poutre c'est à peu près au moins le torse quoi. Du coup là elle est effectivement un peu grande. Voilà comme ça. Peut-être elle qui me fausse ma vision. Elle était loin d'être finie. Ouais. Et là, effectivement, du coup, le plafond paraît un peu haut. Il y a peut-être ces deux trucs là qu'il faut que je change aussi. Ce qui me presse. Hop. Ils deviennent trop gros. Du coup, par rapport au placard à tout, ça rend quoi? Ça aussi, c'est que la fenêtre, du coup, elle me paraît... Elle pourrait être très grande, effectivement. Il y a un problème. J'aurais bien aimé avoir un humain là sur la photo pour me repérer.
coup, il y a tout qui change. Le placard aussi. Ouais, du coup, bah, ça fait correct hein, du coup ça. Attends, regardons par rapport encore aux images. Ouais, du coup c'est pas trop mal comme ça. On va même le remettre un peu plus. Et là. Ouais, du coup la fenêtre est un peu plus haute que ça, mais pas de beaucoup. Alors. Mais là j'ai pas tout. Voilà. Enfin, ça a sorti de l'argent. Après, c'est vrai que maintenant, avec les bras longs, c'est trop large. Bref, ça, c'est arrivé à peu près ici. Du coup, je pense que c'est trop grand. Du coup, faut que je la réduise. Ah, bon.
Peut-être mieux. Ouais. Sachant qu'en plus, il y a ça là. Voilà, c'est fermé. Non, c'est mieux, hein. C'est mieux, c'est mieux. Pourquoi je me le dis? On y est, on va en placer un peu là. Oh, les portes et tout. Porte, ça me paraît pas trop mal. Parce qu'elle était large. Ok. Celle là-bas est plus étroite. Voilà la cuisine. Bon, le reste m'a l'air bon, hein. Je pense qu'on peut continuer. Ok, donc on peut continuer la suite. Alors, parce qu'il y a quelques retouches pour mettre à la taille. Direct comme celui-là, ça sert vraiment rien. Hop. Là, je vais remercier mes copains de m'avoir donné leur vision. Oui, c'est ça aussi qui est un peu le grand. Comme ça.
Non, mais on va pas de là. Hop, partie droite. Plus E. Ben voilà, c'est bien. Oui, le plafond qu'il faut remettre un peu en état. Bon, parce que c'est vraiment important. Ok. La friteuse est quand même un peu plus grosse, j'ai l'impression. Alors, on va le repositionner pour pas que ça. Bon, si c'est n'importe comment. Il va falloir replacer encore une fois. Je vais le mettre au bout. Vachement plus de bord quand même. Ouais, elle était plus grosse. Comme ça à peu près. Voilà. Nickel. Si j'enlève. Ouais, c'est bien. On va l'agrandir encore un petit peu, je pense. Je crois que ça fait la même ligne que ça. Là, on est bien. Hop. Super. On va sur la photo de la friteuse. Ouais, ça va pas mal. Peut-être encore plus. Un peu plus décalé encore là-bas. Voilà. On va enregistrer. Qu'est-ce que je fais maintenant la prise avec le truc? J'ai envie d'abord de faire tous les trucs un peu squall d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre là.
on voit la ligne. De toute façon, il y aura une truc par-dessus, donc en soi. Ouais, je sais pas. Alors. C'est fait. Je vais me créer les posters là, parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors je cherchais l'image sur internet. C'est alors poster héros. Seul. Il s'appelle comment, tiens? Ligne. Voilà, le TQR. C'est celui-là, mais lui, il est ultra saturé, donc c'est moche. Ah, c'est plutôt celui-là. Taille, hein. Mais pas bien grand. On va voir si là, on l'a pas plus long. Qu'on va faire. On va prendre celui-là, on va faire. Bon, il a rien compris, comme d'hab. C'est que celui-là il est bien. Ah bah je sais ce qu'on va faire. On va essayer un truc. Alors ah merde, il me le fait en... On peut plus prendre les images hein, c'est très chiant. On va le prendre. Est-ce qu'il est aligné? Tiens, on va voir ça. Hop. Hop. Et alors avec, j'ai un petit truc qui s'appelle Gigapixel pour agrandir les images. On va voir ce que ça va donner. Ah oui. C'est que ça reste quand même bien pété, mais je pense de loin. Il me la met en quelle taille? 2600, 900. Ouais, c'est quand même vachement mieux. Hein.
Peut-être pas le mettre aussi grand parce qu'il comprend pas tout. Peut-être le mettre en 4. J'ai l'impression que c'est un peu mieux. Si je le mets en 2. 2, je pense que ce sera très bien en vrai. Ça fait quelle taille? 186. Est-ce que c'est lisible si on va en bas? Ah, je crois que je l'ai bugué. Ouais, je l'ai fait bugger. Bon, on va le relancer. Si je mets ça un peu moins fort. Ouais, sur le blur là, on va calmer. Je vais le mettre en auto pour voir ce qu'il donne. On va essayer les différents modes pour voir. Pas tout, mais il y a à peu près ce qu'on veut. On va voir si je mets sur le bleu. Je le mets à fond. Pas tout le délire, mais... comme ça, il y a un peu plus de grain, c'est mieux. Allez, on va le sauver en 4, ça c'est bien. Ouais, 1 gigapixel PNG, c'est source. Oui, tout est bien. Alors, voyons voir ce que c'est maintenant. Là, c'est le vieux. C'est le nouveau, qui est un peu plus grand, un peu plus de résolution. Est-ce que c'est lisible sur celui-là? Non, il n'y a rien. Là, si, on passe sur l'autre. Bon, rien non plus, mais bon, il y a... C'est dommage, je pense qu'il est trouvable, hein, mais je le trouve pas pour le moment. Je vais remettre sur l'autre écran. Il était mieux à rechercher une image avant. Google Lens, il est pas ouf.
marrant, Google, j'ai l'impression que leur service, à chaque fois qu'ils font une mise à jour, c'est moins bien qu'avant. Genre, avant, il y avait les trucs qu'on cherchait au pixel, enfin, tant de pixels, maintenant on peut plus, il n'y a que grande image. La recherche d'images est beaucoup moins bien qu'avant. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils sont en train de détruire leur propre service. Et je comprends pas pourquoi. J'aimerais bien d'avoir celle-là quand même. Je vais pas la choper. 750 par 1000. Ah mais c'est encore un truc là, web de machin là. Chiant. Je crois pas que c'est ouvrable avec Photoshop hein. Il me semble pas. Si tu enregistres l'image. On va essayer. Est-ce que je peux l'ouvrir après? On peut. Ouais, avec la seule image. Je vais faire un parti avec celle-là. Bon, tant pis, hein. On aura ça. Ce sera pas exactement la même chose. Au pire, ce sera mieux parce qu'il n'y aura pas de droit. Ouais. Le droit. Donc on disait... source image, maison, bas, cuisine, et on regarde l'image pour voir la taille que ça fait. Donc ça va être collé à ça. Bon, ça va, je pense que c'est 90. Ouais, c'est bon. Ça sera pas taille du cadre complet. Cadre, ça monte ça.
Et voilà, il me semblait bien qu'il était trop... Là, on a la preuve par A plus B que le plafond est trop bas maintenant. Il me semblait bien qu'il était bas. Là, le cadre, il sera léger, donc... Regardez. Ça change. Là on est dedans. Là il y a encore tous ces espaces. Sachant que les largeurs sera ça. C'est peut-être justement que l'espace là il est peut-être trop. Un peu trop grand. Ouais, bon, on va dire que c'est encore un peu petit. Non, pas trop grand, on regarde, mais bon. Du coup, la friteuse c'est un peu plus petite que ce que je pensais. Est-ce qu'elle est pas la même longueur que l'autre? Voilà. Tout petit peu plus grande. Voilà. Ok. Pourquoi tu fais pas jusqu'au bord? Il va jusqu'au bord de la friteuse. Donc effectivement, ce sera plus petit. Ça. Non, ça peut pas être ça parce que ça va en haut de ça. On va dire qu'on y va un petit peu pour le dire. Bon, ben voilà, on va essayer sur ça pour voir. Même comme ça, c'est trop grand. Hein. Donc, plafond, on va le remonter. Hein. Il faut que j'ai les deux images là, parce que ça commence à me saouler du plaisir à chaque fois, les deux. C'est celui-là. Là on est bien. C'est un peu trop quand même. Voilà. Ok. Alors on va imaginer. C'est... Ouais, vous voyez, on revient à la même hauteur à peu près. Hein. Ouais, c'est le plafond est haut, c'est comme ça. Quand on me disait qu'il était beaucoup trop haut, non, il est vraiment haut. Mon image pleine est ouf. Thank you.
Bref. Hop. Ok. Là, c'est pour avoir les bonnes dimensions. Et après, on va reprendre celle-là qu'on a pris par deux. Hop. Voilà. La lampe qui est plus grande. La lampe est bien plus grande. Jusqu'à peu près. Là. Ah, elle est carrément plus grande en fait. Je pensais pas que c'était à ce point. Tac. Et on agrandit encore un peu. Bon là pour le coup je pense que c'est eux deux qui sont trop grands. Ok. Ce sera plus large que ça.
Voilà.
Ouais, mais non, en fait, ça, hein. Ça va être petit, c'est pas possible. Voilà. Je sais pourquoi. Ah, putain, il recommence à me casser les couilles. Pourquoi il les allonge comme ça, putain? Bon, parce qu'il y a les trucs là, mais bon, normalement ça allonge pas à ce point-là. Y a aucune raison que ce soit longé comme ça. Genre vraiment. Ok, je sais pas pourquoi. Là, il est bon. Si je fais les layouts. Ok, bah ok, il y a zéro raison. What the fuck? Hop, ça, on va mettre là aussi. Sans pas grandir tout ça. On le décale. Voilà. Ok, je sais pas pourquoi il avait bugué comme ça. Tac tac, c'est nickel. Ah si, c'est ce que je voulais faire, un dernier truc. Isolé. Et ensuite mettre bien au fond. C'est en l'air. Non. Bon, bah on va mettre comme ça.
Bon, tant pis, allez. Ça se repasse. Je crois qu'il vole un peu. Ok, bon ça c'est fait, on le met dans le listing. Alors celui-là, il y en a un second. Hop. Qui lui va du haut de l'ETIR ronde. Visiblement plus grand. Je qui va quasiment jusqu'au lavabo. Bon, pas du tout. Ouais, c'est ça. Presque au lavabo. Bon, ouais, c'est à peu près la même taille. Ça va. Dans notre cadre. Il y en aura un troisième, mais on verra ça après. Bon, maintenant on va faire les hôtes.
Si on en semble encore, hein. Attends, y'a un truc qui va pas là. Qu'est-ce que c'est que cette hotte chelou? Ouais. Bon, je crois qu'il s'est démerdé. Bah non, parce que du coup ça va plus. Mais comment elle est foutue cette hotte là, c'est trop bizarre.
Ouais, j'ai un truc aussi un peu. Après le... Il y avait un creux un peu. Bon bah voilà. Bon, du coup, on va refermer en haut en fait parce que. C'est bien saillant. Ah oui, du coup j'aurais dû le faire avant de faire des bivels là. Sinon ça va être chiant. Je préfère tout enlever. C'est moins relou. Voilà. Ok, un petit creux avant. Voilà. Et voilà. Hop, bevel.
Okay.
En fait, on va juste delete les deux là. C'est bien plus simple que ça. Hein? Thank you.
Thank you.
Voilà. Voilà, hot, c'est bon. Thank you.
Ouais, mais non. Bon, c'est bien.
pense. Et là, j'ai fait l'erreur. Voilà.
Bon, ouais, ça va. On va tout changer. Moi je vais m'arrêter là pour faire ma petite pause déjeuner. Et voilà, à plus.